De l'ancienne CGU est largement sous-estimée. Moi, je parierais le contraire. Allez, entrons et débloquons le mécanisme. Ça me va très bien. Je vais jeter un œil là-haut. Merde! Kate! Des snipers! Non! Ok, on lui règle son compte! Après, on s'occupe de cette fois! C'est bon, on les a eus. Occupons-nous de cette porte maintenant. Bingo, j'ai trouvé. À ton avis, qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté de ce truc? La vérité, j'espère. Et voilà le travail, ça s'ouvre. C'est bon, les portes s'ouvrent. On retourne au skiff? À moins que tu préfères faire tout le chemin à pied. Bien réfléchi. Non, jamais de la vie. J'ai piloté. T'as vu ça? On a une tour radio droit devant. Reste à espérer qu'une transmission de New Hope ait transité par là. Quoi qu'il en soit, il nous faut les données de transmission de deux tours, pas moins. Une seule ne suffira pas à déterminer l'origine de ces messages. Dans ce cas, au boulot. Chauffage. Imagine la galère pour trouver du carburant par ici. Non, le skiff reste l'option la plus commode. Ouais, peut-être. J'ai une autre tour radio en visuel. Hey, des dérives d'assaut de la CGU, derrière ces arbres. Allez, ratissons le secteur. On trouvera peut-être un module. C'est toi l'expert. Thank you.
Allez, on grimpe. Allez. La bonne blague. On a partout. Essayons de les prendre par surprise. Ils sont tous morts. Il faut qu'on trouve des modules. C'est une sorte de pièce. Mais j'en connais un qui va être très content. Cool. Un module de refroidissement de brille. Jack, rapporte. D'après les notes de l'ingénieur, si on trouve d'autres pièces, on pourra améliorer Jack. Jack est surexcité. Kate, tu sens ça? Elle le sent, pas moi. Allez, on ramasse tout ce qu'on peut et on retourne au skiff. Ce condor a percuté la falaise de plein fouet. Marcus, t'as des infos sur un condor qui se serait écrasé? À vrai dire, les rafales en ont abattu plusieurs dernièrement. Il y a sûrement du matos dans les épaves. Bien sûr, on va jeter un œil. Ça a volé dans tous les sens. On a de la surface à couvrir. Une nuée! Non, deux nuées! Bah ouais, je l'ai dit deux fois! Eh merde! Ce condor grouille de parasités! On se sépare! Il faut leur donner plusieurs cibles! Rapporte! Un doigt. Ça va, ma putain! Y'en a partout!
civilisés. C'est bon, j'en vois plus aucun. Reçois la légion ! Deuxième. Putain, ils ont mis le paquet. Fini. Pour la pause tranquille, on repassera. Fouillons la zone. Tu sais, avec cette nuée, chaque fois qu'un condor est abattu, ça devient une usine à parasiter. Ouais, parasité ou non, j'ai jamais pu saquer les bottes. Allez, ouvre-moi ça, Jack. C'est bon, je crois qu'on a tout récupéré. Allez, retour au skiff. Tu sais, pour une falaise de glace mortelle, celle-ci offre un superbe panorama. On se rassure comme on peut, mec. Viens, par ici. Bon, on y retourne. Jusqu'à la prochaine surprise. Mais on a l'habitude. En place. On dirait qu'on va devoir rallier cette tour à pied. Del, tu sais ce que c'est, ce bâtiment? On dirait une station pour la tour radio. Il y a peut-être du matos. On dirait qu'il y a eu du passage. Je me demande si c'était les étrangers. Del, c'est Lena. Transformée en glaçon. Merde. Et son ami, il est passé où? Fouillons le secteur pour voir. C'est un code de sécurité. Pour une autre station. Si on veut aider son ami, je dirais qu'on tient une piste.
Ok. Kate, regarde. Si on en croit le plan de Jack, il y a une mine quelque part par là. Tu sais, je me suis fait quelques mines quand j'étais une jeune rebelle. Sympa. Et quel genre de truc tu rappelais ? Les explosifs, les munitions. Et parfois de vieilles rations. Oncle Oscar était le seul à oser les manger. Ouais, ça m'étonne pas de lui. Ce type était prêt à becquer tout et n'importe quoi. Et à boire par la même occasion. Bon, trouvons un moyen d'entrer là-dedans. On descend. Ça doit être la mine. Marcus, on a trouvé quelque chose. Une mine, je crois. Attends, je vais regarder. Ouais, ça doit être la vieille mine de Nethercutt. De quand date la dernière activité ? Bien avant que vous soyez nés. Alors vous attendez pas à du grand luxe. Ça marche. On se tient en courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout est déboisé? Sûrement du matos de construction pour la mine. L'exploitation forestière, c'est pas trop mon truc. Waouh. Alors tu sais pas tout sur tout, toi. Quoi? J'aime bien m'instruire. C'est un crime? Attends, je veux regarder ça. Le pont qui mène à la mine est bloqué. Un train a déraillé. Il y a forcément un autre moyen de traverser, non? Voyons voir. On essaie par ici. Ok, c'est prometteur. Retire ce petit, c'est vermine! Putons-les! Fais attention sur la glace! Putain! Darryl! Debout!
occupé. Ok, c'est dégagé. Il y avait un sacré paquet de vermine. Tu paries combien qu'elle garde cette mine? Il doit y avoir quelque chose d'important à l'intérieur. Prenons l'ascenseur pour monter. Jack, défonce cette porte. Oh oh. Kate, sur l'autre rive! Je les vois! Repousse-les! C'est l'heure du bain! Ces gardiens corrompus. Ok, c'est dégagé. L'ascenseur devrait fonctionner. Bien joué, Jack. D'étrangers. Lena et Norsko. Je parie que c'est de là qu'ils venaient. T'as peut-être raison. Mais ça voudrait dire que... Ça voudrait dire qu'on va pas tarder à devoir se battre. Y'a quoi là-haut? Thank you.
tu vas, Kate? Faut explorer la mine. Si ce que Lena et Norsecon ont raconté est vrai, tout a été ravagé. Ouais, la bataille a été rude ici. Il n'y a aucun corps. Ouais. Allez, ouvrons ça. Je pensais qu'on savait où étaient tous les étrangers, mais on en a raté beaucoup pour le rassemblement. Comment ça se fait? La plupart des étrangers veulent pas être. Surtout par la CGU. Je préférerais eux que la vermine. C'est parti. Merde. Je m'en doutais, mais... Putain. J'arrive pas à croire que Lena et Norsecon aient pu survivre à ça. Allons jeter un œil pour voir si on trouve quelque chose d'utile. Hé, hey Kate. Tu t'es déjà demandé ce qui arrivait aux gens dans l'Écosse? J'essaie d'éviter. Ouais. Mais il y a peut-être une partie d'eux, même infime, qui reste humaine. Non, il n'y a plus rien d'humain. Bon, allez. Reprenons les recherches. Tu peux me donner un coup de main ? Dégagé. On reprend les recherches. Hé, hey, je parie qu'il y a du phosphore dans cette phosphoreuse. En quoi ça nous intéresse? Ça pourrait nous servir, mais c'est très volatile. Au contact de l'oxygène ou de l'eau, ça explose. On devrait en prendre un peu, on sait jamais. Jack, à toi l'honneur. Ok, rapportons ton produit chimique extrêmement volatile au skiff. Attention, c'est pas encore fini! Jack, protège le carburant! S'il crame, on crame tous! Excuse-moi!
Jette-toi d'aide! C'est bon! Ce phosphore au skiff. Espérant qu'il ne saute pas à la gueule. Dis-moi qu'il va pas exploser. Non, non, je suis presque sûr que ça risque rien. Del, on voit la nuit. On les bute et on traverse le pont. Regarde où je tire. C'est touché. Bon, on rapporte ce phosphore au skiff. En espérant qu'il ne saute pas à la gueule. Dis-moi qu'il va pas exploser. Non, non, je suis presque sûr que ça risque rien. Del, on voit la nôtre. On les bute et on traverse le pont. Le sion est mort. C'est bon. Ouais, on passe par le train et on se casse d'ici. On peut dire que venir ici aura été une expérience marquante. J'ai l'impression qu'on les accumule en ce moment. J'arrête pas de penser à ces pauvres gens dans la mine. Tout à l'heure, dans le tunnel. T'avais raison. On aurait dû les retrouver. Ouais, mais t'avais raison aussi. On peut pas aider les gens qui refusent d'être aidés. Comme JD, par exemple. Oh, ouais. Comme JD. Je crois qu'il reviendra lui-même un jour. Je sais pas. J'espère, mais... je sais pas. Jack, ce phosphore te pose pas de problème? Oui. Tant mieux. Tu vois? Tu commences à l'apprécier. Jack est un brave gars. Oh, vas-y doucement. Il va finir par tomber amoureux de toi. Au fait, merci d'être là. Sans toi à mes côtés, ce serait... ce serait difficile. Attends, c'est moi que tu remercies ou Jack? Jack? Désolé, c'était pas clair. Ouais, elle est bien bonne celle-là. Je suis prêt. Ok, il faut qu'on vérifie les transmissions de deux tours radio. Au boulot.
Pour info, on se trimballe une substance chimique particulièrement instable, là. C'est toujours une bonne chance d'avoir quelques explosifs. Question que j'arrête pas de me poser. Pourquoi JD a changé à ce point? C'est le coma ou la culpabilité? Cherche pas, c'est Jean. Elle nous a fait passer pour des salauds et elle l'a promu capitaine. Du coup, bref. Je pensais pas que JD tenait à ce point à ses chaînes. Ouais, mais c'est le fils d'Anya Stroud. Tu te souviens? Et de Marcus Phoenix. Ouais, avec un capital génétique pareil,